Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. Vous avez bien remarqué, ça fait plusieurs jours que vous ne voyez pas votre héritage, c'est parce que c'était pas la forme. Mais grâce à Dieu, ça va. Et aujourd'hui, je reviens sur la scène des vidéos YouTube avec ce sujet-là. Pour ne pas dire ces deux sujets-là, franchement, qui me tenaient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et j'avais vraiment envie encore de vous donner encore mon avis sur ces deux différents sujets-là. L'album. Diba Wad. On me dit pourquoi tu ne parles pas de l'album de Sidiki Diabaté. La question reste posée, mais je pense que c'est parce qu'il n'y a pas trop de communication autour. Jusque-là, si je vous dis que je ne connais pas le titre de l'album de Sidiki Diabaté, vous allez trouver que j'exagère. Mais bref, c'était juste une parenthèse. Mais je ferai forcément la promotion aussi de l'album de Sidiki Diabaté. C'est juste que je n'ai pas d'infos. Et surtout, la présidence de la FIFA avec Didier Drogba. On se prend après le générique, les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce bleu. Salut, salut l'ami fort. C'est toujours l'empereur Kangou Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps. Avec mon big, big frérot, Master Soumi. Quel est le système? Album. Avec Abara, avec Abara. Koro RM n'a pas posé l'album dans 600. Donc, aïe, doit ok, qu'à sortir qu'on entend. Koro album, mais tu quoi dis? Ah, bon, tiens, la Rumi. Le mot fort. Fanou, Maléon Bella Jelly, Becky Prega, un album. C'est un album très, très riche. Un album qui a de la qualité. Avant tout propos, vous avez bien remarqué quelque chose. Iba Wad et Master Soumi en studio, voilà, qui sont en train de vous lancer un petit message concernant cet album-là. Bien avant d'en débattre, j'aimerais dire merci à tous ces abonnés-là qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages pour savoir comment est-ce que j'allais et tout, qu'est-ce qui se passait, pourquoi ils ne m'entendaient pas. Dieu merci pour vous et pour moi. Ça va de mieux en mieux. Sans vous mentir, c'est à cause de ce truc-là que j'ai failli, on va dire mourir en griffe, voilà. Je ne voulais pas apporter, mais mes yeux disent, j'en ai besoin, sinon ma tête allait se casser. Bref, c'est la petite parenthèse, en tout cas ça va très bien. Donc avant de parler, comme j'ai dit, de Didier Drogba et ses sondages écrasants sur les différentes pages, sur les différents sites concernant la présence de la FIFA, j'aimerais bien qu'on parle de Iba Wad. Iba Wad que vous savez très bien, qui est mon artiste côté Mali, et j'en suis tellement fier, c'est pourquoi je m'amuse à toujours le répéter dans toutes mes vidéos le concernant. Donc moi, ce que j'aimerais dire, c'est que l'album il promet, et j'ai l'impression que Iba Wad a opté pour l'Afrique, c'est-à-dire il a décidé de baser ses collaborations, tous ses featuring sur ses frères africains, ses amis artistes africains. Voilà, en passant par la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Mali. Franchement, c'est un album qui promet. Voilà, je ne vais pas trop vous parler, mais pour son bref séjour ici, il m'a dit que dans son album là-même, il y a surprise encore. C'est en plus de sortir l'album, vous serez ébahis par cet album-là, parce que l'album sera trop lourd. En tout cas, ça ne sera pas 2, 3, 4, 5 titres pour cet album-là, non. Vous connaissez Iba Wad, c'est quelqu'un de très inspiré, parce que son talent n'a pas à être discuté. Voilà, il est dangereusement fort dans son domaine. Et en plus, il sait très bien chanter aussi. Vous l'avez bien vu avec ses dernières sorties. Nujuyabila, tout va bien et tout. Donc, soyez prêts. Moi, tout ce que j'aimerais dire au Gladia, franchement, c'est de s'apprêter. Parce que je vous ai dit, en tant que Gladia, en tant que vrai Gladia, tout Gladia doit avoir l'album de Iba Wad. Même si l'album sort, on dit que l'album est 10 000 francs CFA. Gladia, quelle que soit ta position, que ce soit ton rang social, tu dois avoir le CD de Iba Wad. Et j'ai aussi demandé à l'artiste Iba Wad de s'investir sur les plateformes de téléchargement légales. Ouais, bon, si vous voulez du téléchargement légaux, si vous voulez, j'ai fait allusion à la plateforme, mais les plateformes légales de téléchargement pour qu'on puisse lui donner rapidement un disque d'or. Voilà, un disque d'or sans forcément collaboration occidentale ou américaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est un peu ça. Donc franchement, apprêtez-vous. Il faut s'apprêter. Voilà, moi je ne veux pas, vous pouvez pas dire, je ne supporte pas les fans qui sont beaucoup bavards, qui parlent sans rien faire, là, sans être concret là. Je ne supporte pas ça. Voilà, vous savez, Irito, c'est quelqu'un qui sait soutenir, mais quand il y a la vérité, il ne sait pas se gêner de le dire aussi. Vous ne pas dire de la dire. Voilà, je dis ça gros et fort. Donc, cher Gladia, tout le monde devra avoir cet album-là. Voilà, on doit avoir cet album-là. Cet album-là doit être notre affaire. Tu es un Gladia, il faut avoir cet album. Je vous invite tous à commencer à cotiser spécialement pour cet album-là.
Voilà, cotiser. Et Dieu voulant, je sais qu'on lui donnera un disque d'or. C'est parce que je ne me sentais pas bien, mais j'avais déjà dit à l'artiste qu'avant de faire des campagnes de sensibilisation de comment payer en ligne un album ou bien comment streamer ou bien comment télécharger un morceau de l'artiste, j'allais forcément avoir besoin de la date de sortie de l'album. Là, au moins, quand je suis truc bien fixé sur la date de sortie de l'album, je peux commencer à faire ma campagne. Voilà, pour sensibiliser tous les gladiateurs à acheter en ligne aussi. C'est très important. C'est ce qui donne les disques d'or, les platines d'or et tout. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est ce qui donne ça. Donc, je vous invite tous à vous apprêter parce que l'album de Iba One sera quelque chose de phénoménal. Ce sera quelque chose de grandiose. Ce sera quelque chose vraiment de très lourd. De vraiment dangereusement lourd. En pas trop parler. Ok. Donc, deuxième partie pour la partie DJ Drogba. Voilà. J'espère que ces abonnés qui m'ont emmerdé avec le sujet de DJ Drogba seront satisfaits aujourd'hui parce que je donne rapidement mon avis sur sa candidature. Voilà. Bientôt, Inch'Allah, si Dieu le veut, notre DJ Drogba sera le nouveau président de la FIFA parce que jusque-là, sur tous les terrains, comme on dit, il n'y a pas photo. Voilà. Comme on sait aussi qu'on est en Afrique, quand en Afrique il y a beaucoup de corruption et de combine, on espère que l'organisation qui s'occupe de, on va dire, gérer la présidence, la présidence de la FIFA ou bien d'organiser l'élection de la présidence de la FIFA est un organisme sérieux. On sait que tout se fera dans la transparence. Donc, on ose croire que Didier Drogba, comme sur les réseaux, on va dire, pulvérise son concurrent direct et, on va dire, a pulvérisé même ses concurrents parce qu'ils étaient nombreux avant d'être deux actuellement. Je pense bien qu'il n'y a pas photo. Pourquoi je dis que Didier Drogba va gagner et doit gagner ces élections-là? C'est pour des raisons simples. Moi, je dis, c'est vrai, on peut confier la présidence de la FIFA à des personnes qui ont eu l'expérience dans l'organisation, dans la gestion de cet organisme-là, mais il faut de reconnaître que la meilleure manière de faire évoluer un sport, je veux dire, la meilleure manière de faire évoluer un sport, c'est de le confier à quelqu'un qui en a été un acteur. Et vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire ici, et même en Afrique, Didier Drogba est une figure incontournable du sport africain. C'est une légende vivante. Et vous savez très bien que Didier Drogba n'est vraiment pas obligé, ou bien n'a vraiment pas besoin de cette présidence-là pour devenir riche maintenant, parce qu'il l'est déjà. Donc un gars comme Didier Drogba, un monsieur comme Didier Drogba, s'il décide volontairement de prendre les rênes de notre fédération, je pense pour ma part qu'il a vraiment, il a vraiment envie de donner un nouveau souffle à notre football ivoirien. Parce qu'on le sait. On s'est toujours plaint de cette FIFA-là, qui se débattait tant bien que mal. Hein. Voilà, on va pas discuter ça, on va pas remettre ça en cause, mais la vérité est là. On aimerait bien que ça soit l'affaire de Didier Drogba. Parce que jusque-là, que ce soit les supporters, que ce soit les sportifs eux-mêmes, la plupart désirent ce monsieur à la tête de cette FIFA-là. Parce que, avec ses relations, avec son expérience, je pense bien qu'il pourra envoyer très loin, vraiment, je dis bien très loin, notre championnat ivoirien et le football ivoirien même. Parce qu'il en a la capacité. Il a le charisme pour et il a les relations pour. La gestion de quelque chose, c'est pas quelque chose de compliqué. Voilà, on sait tous comment la FIFA fonctionne. Et mieux, il a été, on va dire, un subalterne, pour ne pas dire un sujet, ou bien un acteur. Un acteur, je vais parler d'un acteur, il était un simple footballeur dans cette sphère de cette FIFA-là. Voilà, qu'on gérait, que cette même FIFA-là gérait. Et je pense pour ma part que pour bien faire les choses, si ce dernier-là remportait la présidence de la FIFA, il serait judicieux de le faire encadrer par ces devanciers-là qui ont essayé de gérer tant bien que mal ce même mouvement-là et qui ont souvent capoté. Appelons les choses telles qu'elles sont. Voilà. On n'a pas dit que le bilan de tous les trucs des présidents de la Fédération ivoirienne de football, président, est un bilan nul, c'est pas ce qu'on dit. Mais on pense, hein, nous on pense qu'avec Didier Drogba, le football ivoirien sera encore mieux. Voilà, le football ivoirien va mieux se porter parce qu'on sait très bien qu'actuellement, c'est vrai qu'aujourd'hui, le championnat ivoirien passe sur Canal Plus, c'est déjà bon déjà. Mais ce championnat-là, pour ne pas dire même le football en question, il est en souffrance. Voilà, un gars comme Didier Drogba, je pense qu'il va trouver les moyens. Parce que sa présence même crée de l'engouement. Et on sait que ça fait vraiment plusieurs années, une dizaine d'années, que les stades sont vides pendant le championnat.
Or, mine de rien, ce sont les achats d'éthique aussi qui permettent à la FIFA et à certains clubs de subsister, en fait. Vous comprenez un peu? Donc, je pense que Didier Drogba a la stratégie pour, parce que lui-même, déjà même, c'est comme on dit, c'est un leveur de foule. Voilà, imaginez que le mec, il met une stratégie en place où, en tout cas, je sais que c'est un sans frais. Quand je dis un sans frais dans ce truc-là, dans ce domaine-là de gérance de la présidence de la FIFA, qui pourra venir vraiment peut-être changer les choses. Voilà, moi je crois Dieu comme fait, parce que pour moi, sans vous mentir, hein, voilà, je dis pas que son concurrent n'est pas apte ou bien n'a pas les capacités de pouvoir gérer cette FIFA-là, mais je sais même que son concurrent, au fond de lui, respecte vraiment Didier Drogba, et il sait que ce Didier Drogba-là, ce monsieur-là qu'il a comme concurrent en face de lui, a la capacité d'amener très loin notre football ivoirien. Donc j'invite vraiment ces personnes-là qui sont à l'organisation et toutes ces personnes qui vont voter, au final, de franchement pencher le soir sur Didier Drogba, parce que c'est le choix du peuple. Je ne vais pas vous mentir, c'est le choix du peuple. Parce que vous savez, dans toute élection, il y a le choix des puissances et il y a le choix du peuple. Et je viens par cette vidéo à vous dire que Didier Drogba est le choix du peuple. Voilà. Donc c'était un peu ça. Espérons que ma vidéo vous ait plu et que demain, je ne vais pas dire dans quelques jours, mais dans quelques mois, on nous annonce comme président de la FIFA notre Didier Drogba légendaire. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'était le retour d'Héritor. J'espère que il vous a plu. Je n'étais pas trop fort parce que j'avais envie de revenir. Donc la vidéo n'était pas préparée, sans vous mentir. Mais j'espère qu'elle vous a plu. Partagez-la et dites à Didier Drogba qu'on est avec lui.